loin le meilleur plat de ce genre que j'ai pu manger. Mmh, ça sent bon. Ah oui, c'est bien meilleur que ce que ça présente comme ça. Mmh, bon goût. Incroyable. Et bah c'est pas spécialement bon. Wow, c'est délicieux, j'adore. C'est extrêmement bon, c'est vraiment trop trop bon. Compliqué là, je vais bien bien manger. Je me suis éclaté le bide. Tout encombré. Je viens de sortir du taxi, comme vous avez pu le voir. Taxi qui m'a d'ailleurs coûté 5 500. Ça doit faire à peu près 4 euros. Surtout quand vous êtes plusieurs, mais quand vous êtes un peu urgent, que vous avez des petits trajets à faire rapidement, n'hésitez pas à prendre le taxi. Et même si c'est toujours mieux de prendre les transports en public, c'est tellement pas cher aussi ici que. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a vu les spécialités de Busan. Enfin, disons quelques spécialités qu'il vous faut goûter à Busan. Et aujourd'hui, on va goûter celle de Jeju. Je suis bien arrivé à Jeju, comme vous avez pu le voir dans une autre de mes vidéos déjà, qui a dû sortir. Il fait beau ici, le typhon est passé, on est juste le lendemain. Cette vidéo, je vais la faire sur plusieurs jours pour pouvoir goûter un petit peu tout ce qui peut se faire un peu de partout sur l'île. On a pas mal de choses à goûter aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo, et si ça vous plaît, pensez à vous abonner. On arrive dans un des lieux, en plus j'ai mon sac, c'est un bordel. On arrive dans un des lieux que je voulais goûter pour une des spécialités, une soupe de nouilles au porc. Il se trouve que l'adresse ici est quand même assez bien réputée. Vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de monde qui attendent et j'espère pouvoir aller y manger. Alors, j'attendais un petit peu, il y a des Coréens qui parlaient en coréen mais avec un tout petit peu d'anglais. Il fallait aller à l'intérieur pour avoir un petit ticket pour attendre. Là, je vous avoue qu'il y a l'odeur qui arrive à côté qui donne quand même bien envie. J'attends à l'ombre à côté, j'attendais un petit peu devant avant. Il y a un Coréen qui me disait « Tu veux t'asseoir, machin ?» et tout. Je lui disais « Non, c'est bon, je voulais aller à l'ombre juste derrière. » Je vous avoue qu'à l'odeur, ça donne déjà bien, bien, bien envie. Bon, j'ai pu être installé à peu près à l'heure. J'ai donc ce joli bol de nouilles qui est arrivé. Quand même assez fat, assez gros, assez généreux. Ils ont qu'un seul plat, c'est vrai, ils font vraiment que ça. D'où le fait qu'ils soient connus pour ça. Pâte à côté là, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà goûté, qui pèque un peu aussi, et qui est particulièrement bon. Et vous avez ensuite à côté du piment et du poivre, si vous voulez rajouter. Je vais goûter moi de mon côté le bouillon. Oui, effectivement c'est un petit peu comme ce qu'on avait à Busan, de loin le meilleur plat de ce genre que j'ai pu manger, qui est ici un petit peu différente, avec des nouilles un peu plus épaisses, avec le kimchi, en prenant de la viande comme ça, comme ce qui peut se faire sur les plats que je vous ai déjà montrés. Effectivement, c'est très très bon. Bah écoutez, petit débrief juste après, et moi je me dis bah, bon appétit. Effectivement, c'était très très bon. C'est pas une soupe, un espèce de ramen qui a énormément de goût. C'est assez fade même, j'ai envie de dire, au niveau du bouillon. Donc n'hésitez pas à l'assaisonner un petit peu. Vraiment, ce que je vous conseille de faire quand même quand vous mangez ça, c'est de prendre une feuille de kimchi et de la mettre ensuite sur un morceau de porc et de la manger ensemble. Et ça, c'est ce qui se marie de mieux dans ce repas-là pour moi. Et c'est absolument comme ça que vous devez le manger. C'est comme ça aussi que je voyais d'autres Coréens le manger. Il va falloir que je me bouge un petit peu pour sortir de Jeju City et retrouver la côte est, histoire de vraiment commencer le voyage. Et aujourd'hui, je me retrouve en bord de mer. Je suis à Sewa et on va manger quelque chose qui vient de la mer. Donc on est particulièrement bien placé. Je ne sais pas si vous connaissez exactement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant d'arriver en Corée parce que c'est très répandu ici comme repas. C'est les
abalone. Abalone, qu'on appelle aussi en français les ormeaux. Ils sont une espèce de gros coquillage très charnu qui font un peu peur, je vous avoue, au début à manger parce que ça fait un espèce de gros mollusque. Et au final, je les ai mangés moi de mon côté grillés et il se trouve que c'était particulièrement bon. J'avais mangé ça pour Noël, c'était avec les huîtres aussi qui font griller très souvent ici. Et je vous avoue que c'était une très bonne surprise. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'à Jeju, bien sûr, vu que c'est une île, ils en ont un petit peu de partout. Bref, rendez-vous à l'intérieur. Ben voilà, vous pouvez voir un aperçu. Donc il y a abalone sisal stone pot rice, rice porridge. Donc je pense que je vais partir sur le premier plat qui est le plus cher. C'est ce qui me donne le plus envie. Sinon vous avez aussi des abalone, donc les, comme je disais, l'ormeau grillé comme ça. Mais en tout cas, ils sont vraiment spécialisés sur les ormeaux, donc ça fait plaisir. Je suis au bon endroit. Merci. Comme d'habitude, on a les banchan qui viennent d'arriver. Avant que le plat arrive, j'ai quand même envie de goûter un petit peu cette soupe d'algues qui, en général, je suis pas ultra fan. Enfin, j'aime beaucoup ici, alors qu'en France, quand j'ai déjà goûté, j'aimais pas trop. Mais il y a d'autres trucs aussi. Je me demande ce que c'est. Et là, ça m'intrigue beaucoup. J'ai bien envie de voir. Patate douce, mais ça n'a pas vraiment de goût. J'ai aucune idée de ce que c'est ça. Pour autant, ça reste très bon. Et ça non plus, je sais pas du tout. Aucune idée de ce que c'est. Je crois que c'est juste de l'omelette, mais c'est ça. C'est de l'omelette qui est mise souvent dans un truc plastique et qui est bouilli. C'est soft, c'est tellement doux à manger ça aussi. Arrivé au plat de résistance, elle est venue m'expliquer un petit peu comment fonctionnait. Mais normalement, elle m'a dit tu mets le riz dedans et après tu manges. Je sais pas exactement comment ça va marcher. En tout cas, je n'ai qu'une envie, c'est des goûtons crous. Il y a plein de petites choses qui ont l'air très bonnes. Il y a plusieurs différents légumes. Et bien sûr, vous avez l'ormeau. Ça sent bon. On dirait que c'est mariné. Enfin, le cuit, il rit dans une espèce de soupe d'algues là. Ça, vous pouvez manger petit à petit. Et aussi, j'ai le poisson qui est ici, qui, bon, comme ça, ne donne pas très envie. On va se mettre d'accord. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Oh, c'est faux. Ça n'a pas du tout le goût de poisson un peu fort qu'on peut craindre. L'ormeau, encore une fois, quand vous allez goûter, ça n'a pas du tout cette texture un peu très caoutchouteuse du mollusque gluante, on va dire. C'est beaucoup plus charnu, un peu plus comme de la viande. Donc c'est ça aussi qui m'a surpris la première fois que j'en ai mangé. Un petit délice. Donc quel poisson qui est ici. Ah oui, c'est bien meilleur que ce que ça présente comme ça. Ça me rappelle un peu le Portugal. Ça fait salé. Ouais, les arêtes. Oh. C'est super bon comme ça. Pas mal du tout. Mais attention, quand vous pensez que c'est fini, c'est pas encore fini. Il reste du riz à l'intérieur. Vous avez avec la petite théière ou petite bouilloire d'eau chaude, il suffit d'en mettre un petit peu à l'intérieur, gratter tout le grillé et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Et vu que c'est de la pierre, n'ayez pas peur, vous pouvez y aller à fond. Ça va pas rayer quoi que ce soit. Et là ensuite, on peut parler et commencer à manger, on va dire, la cerise sur le gâteau, même si c'est juste du riz grillé, mais toujours trop bon. Il me reste encore plein de banchan, etc. Il me reste de l'œuf, le truc qui est du potiron, je pense. Toujours un petit plaisir, mais par contre, j'ai l'impression d'avoir mangé pour toute la journée à chaque fois. Ça te remplit comme pas possible. C'était très bon. Encore une fois, extrêmement généreux, mais j'en ai pas fini. Pour autant, il y a le petit stand juste à côté. Pourquoi pas prendre un petit dessert avec le petit jus de Jeju directement. Je prends une petite bouteille. Samnida. C'est trop bon. Mais c'est ça, comme Samnida. Tu vois, Hange? Samnida. Samnida. J'en ai eu pour 3100. Ouais, c'est 3500. Mais il y en a beaucoup dedans. Et à l'intérieur, en fait, je m'attendais à ce que ce soit encore de la noix, quelque chose comme ça à l'intérieur. Et non, en fait, à l'intérieur, c'est une espèce de confiture de clémentine ou orange de Jeju, j'imagine. Il se trouve que c'est vraiment très bon. Je vais en prendre un comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir à l'intérieur. Une espèce de pâte confiture, un tout petit peu acide, juste acide comme il faut. Hop, ce petit jus qui est mis dans une bouteille toute mignonne. Allez, j'ai envie de la garder, cette bouteille. C'est bon.
j'arrive pas à vous dire exactement. Comme un jus de mandarine un petit peu, c'est pas aussi acide. C'est plus sucré, c'est pas aussi acide qu'une orange classique, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une espèce d'entre-deux, mais c'est incroyablement bon. Je pensais pas que je pouvais aimer autant quelque chose à l'orange. Et ça aussi, ça c'est une petite merveille. Oh, les deux ensemble, là, incroyable. Et pour l'instant, c'est un sans faute, j'ai envie de dire. Nous voilà à Udo. J'ai réussi à avoir ce que j'attendais d'avoir après le bon repas que vous pouvez retrouver dans l'autre vidéo de mon vlog à Udo. Et pour le moment, on se retrouve pour une glace. Et attendez, je vais changer de place directement. On n'est pas mieux ici, quand même, avec le paysage qu'on a juste ici. C'est quand même un petit peu plus appréciable pour la petite glace qui est en train de fondre tout doucement. Donc je vais la manger. Udo est spécialisé aussi, connu entre autres pour son agriculture des cacahuètes. On a 5000 won la glace, une glace à la cacahuète, parsementée de cacahuètes par-ci, par-là. La cacahuète, c'est pas aussi fort que le beurre de cacahuète, mais vraiment le goût qui prend dans toute la bouche. C'est une petite douceur. Et c'est pas écœurant. Eh bah écoutez, une autre spécialité inscrite à mon carnet. Des spécialités de Jeju. On n'a pas fini là. Il se peut que la vidéo de Udo arrive après celle-ci. Donc, pour ne rien louper, pensez à vous abonner. Et me voilà arrivé à Seogwipo. Seogwipo qui est une des grosses villes un petit peu touristiques, même carrément touristiques. Il y a pas mal de belles choses à voir. Je pense que je vais aller voir ça aujourd'hui de mon côté. Je vous enverrai peut-être quelques photos et bien sûr quelques stories sur Instagram. Donc, venez me suivre. Et juste à côté du marché, il y a l'entrée du marché qui est juste derrière moi pour essayer une nouvelle spécialité de Jeju qui va être le galchi, si je ne me trompe pas. C'est un long poisson qui ressemble un petit peu à une anguille, qui est donc une des spécialités d'ici. Pourquoi? Parce que c'est un poisson qui est apparemment réputé pour se conserver plutôt mal. Et vu qu'on est sur une île entourée de mer et de marchés, etc., ça va être quelque chose qui va pouvoir se préparer plutôt facilement. Bah, c'est le restaurant qui est juste ici, en espérant qu'il soit bien ouvert, évidemment. Oh. Et c'est là. Oui. Ça venait là. Oui, là. Voilà. Donc je pense que je vais partir sur ça. Ils disent pour plus de 2 personnes. Je pense qu'on va partir sur ça. De toute façon, ça reste assez cher parce qu'en général, c'est des plats qui se partagent. Et vous en avez pour largement moins cher si vous êtes à plusieurs. Mais tout seul, malheureusement, il va falloir y mettre un petit peu le prix. Bon, comme d'habitude, petite tradition, on a les banchan qui sont arrivés. À chaque fois, c'est marrant parce que les banchan, ils ont tous un peu leur petite spécialité. Ils sont derrière moi sur la couverture et tout. Ça, je crois que j'aime pas trop à chaque fois. Là. Mais le reste, par contre, c'est toujours... très bon. Dans les banchan, il y a toujours un ou deux que je suis moins fan. Et le reste, en général, ça passe très très bien. Je sais pas ce que c'est, je sais pas comment le manger. J'ai peur de passer pour un con à chaque fois. C'est de l'œuf, je crois. Avec peut-être du lait qui est fait comme un flan. C'est trop trop bon. Ils ont une manière de faire les œufs que je n'avais jamais remarqué la première fois que j'étais venu en Corée. Là, c'est une redécouverte. C'est trop trop bon. Ils sont derrière moi, les cuistots et tout, en train de manger, je pense, avant qu'il y ait le gros rush. Mais le restaurant est ouvert, hein, donc j'ai rien forcé du tout. Et j'ai le plat de résistance qui est arrivé, qui a l'air extrêmement bon. Elle est venue avec l'application de traduction pour me dire qu'il fallait manger déjà le radis, etc. avant de manger les pommes de terre, parce que ça a cuit. Néanmoins, ça a l'air très bon. Et déjà, l'odeur, c'est quelque chose. Bon, par contre, très clairement, le Coréen et en Asie en général, les arêtes, ils s'en fichent. Hein. On peut faire avec et essayer de manger sans. Ah, c'est super tendre comme poisson. Le goût est génial. Waouh, ça pique quand même. Ça pique, c'est supportable, mais ça, le nez qui coule très rapidement aussi, hein, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'arêtes. Bon, on dirait bien que j'ai fini. Je trouve que c'était pas facile à manger. Beaucoup à manger. Heureusement, j'ai demandé de l'eau en renfort. Et à la fin, je suis parti, il m'a dit, il appuyait dessus, il me disait malin, malin. Moi, je ne comprends pas. Donc, j'ai compris qu'il faut appuyer dessus normalement pour le casser et le manger. Là, c'est glacé. Je pense qu'il faut que j'attende un petit peu que ça se ramollisse. Sur le petit dessin, il y a une petite fille avec un marteau. Nous sommes donc à l'intérieur du marché. Il faut savoir que pendant Chuseok, les toks, ce qu'on va pouvoir manger, qui est assez souvent dégusté. Et à Jeju, ils ont leur propre toks, leur propre particularité, qui sont des toks un petit peu reversed, j'ai envie de dire. Donc c'est bien une espèce de, si je dis pas de bêtises, des espèces de gâteaux de riz bouillis, roulés.
avec très souvent de la pâte de haricots rouges. Cette fois-ci, la pâte de haricots rouges est plutôt présente à l'extérieur. Je vais vous montrer ça un petit peu. Je vais m'en acheter et je vais surtout aller me poser quelque part pour en déguster quelques-uns. Ah, ça va. Ça m'aide. Ok. Donc c'est bien ce que le restaurant m'avait offert aussi. Je commence à être crevé avec cette chaleur. J'avance depuis tout à l'heure tranquillement. J'ai complètement oublié que j'avais les petits tocs, omegi tocs à vous montrer à manger. Donc je les écrase comme ça et je pense qu'après je vais le manger solide, mine de rien. Ah, mais oui, ça se fait facilement. Ça ressemble à rien quand c'est comme ça. Et bah c'est pas spécialement bon. Le premier morceau que j'ai pris, ultra fade. Ça a plus le goût de haricots rouges froids, on va dire, assez banal. Sauf qu'il y a certains endroits où c'est plus sucré. Et quand c'est le plus sucré, là par exemple, j'ai la pâte de haricots rouges qui est sucrée, elle par contre elle est bonne. J'en ai tiré un autre, je prends un peu au pif. À l'orange, je pense, celui qui est aux oranges de Jeju. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que je fais. Je fais ce que je pense être bien. Par contre, c'est frais. C'est largement meilleur. Donc ça, c'est pas le classique, je pense que c'est plus un petit peu plus touristique, on va dire. Mais c'est un petit peu le goût de sorbet à l'orange. Pensez bien à aller voir mon compte Instagram, hein. Il y a des photos argentiques aussi qui vont arriver avec ça. Petite vidéo d'ailleurs aussi qui est passée. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine spécialité. Tout le monde ici, Antoine Mutin pour la BBC. Je suis ici pour vous parler des oranges de Jeju, les fameuses et succulentes oranges que vous pouvez trouver à Jeju. Très connu pour son délicat et sucré que vous trouverez seulement sur cette île. Et je suis ici maintenant pour vous, dans les conditions les plus extrêmes pour essayer ces oranges. Il est temps pour moi maintenant d'essayer, c'est une première pour moi. J'ai vu cette orange de partout sur l'île et j'ai enfin l'occasion de l'essayer. Wow, incroyable, ça a le goût de n'importe quelle clémentine que j'ai eu l'occasion de goûter. C'est juste aussi bon que ce qu'on trouve en France et ce que j'ai eu pour Noël. Wow, c'est délicieux, j'adore! J'exagérais ma réaction, mais pour être honnête, c'est une très bonne clémentine. J'adore ça! Je vais en essayer une autre parce que c'est un petit peu petit pour moi. Et évidemment, je vous recommande d'essayer et au moins d'en acheter à un petit vendeur le long de la route. Pour moi, c'était seulement 5000 won, ce qui fait 3 euros pour 1 kg. Et manger durant les prochains jours parce que c'est vraiment très bon. Ok, c'était Antoine Mutin pour la BBC et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle spécialité. Nous voilà enfin arrivés, je pense, au point culminant de cette petite aventure gastronomique. Et on finit, je pense, avec quelque chose de bien que j'attendais depuis longtemps, que absolument tout le monde me parle. Et je veux bien entendu parler du black pork. Le black pork, donc le porc noir, qui est une variété, un type de cochon présent à Jeju, d'ailleurs qui me fait penser en Corse, il me semble en Corse, il y a des cochons noirs aussi comme ça. C'est une des spécialités de Jeju que tout le monde connaît, que tout le monde raffole. Vous savez, les Coréens, les barbecues, c'est quelque chose, c'est une histoire d'amour. On va donc évacuer la version coréenne de Jeju. Regardez cette vue, je voulais terminer dans un petit coin, un petit peu la campagne. Vous avez dû voir aujourd'hui, j'ai beaucoup marché. Vous avez dû voir peut-être dans les stories que je vous invite à aller voir sur Instagram. J'ai des jolis coups de soleil au niveau des yeux et surtout au niveau du bras. Donc ça va être petite ambiance vanille fraise ce soir. C'est très beau, très joli, il y a la vue sur le port, etc. Je suis arrivé, là il est pas trop tard, il est 18h36. Il va y avoir un bon paquet
de trucs à manger, encore une fois, et je vais m'exploser le bide. Ce qui est un peu chiant, c'est que c'est normal aussi, parce que c'est souvent des plats qui se font pour plusieurs, c'est des trucs à partager. Là, en plus, je prends une table pour quatre. C'est que là, par exemple, le plat, c'est 21 000 pour une personne, donc ça fait quand même déjà 15 000 à peu près pour un plat pour une personne, donc 180 grammes de black pork. Et sachant que les commandes minimum, au moins commandées, deux types, donc ça fait 2 fois 21 000, 42 000, donc 35 euros, environ 34 euros, plus la bière, plus du riz, qui va faire environ 40 euros de, à peu près. Et ça revient vite, vite, bien moins cher dès que vous êtes au minimum deux. Donc, pensez à avoir des amis pour goûter la plupart des plats. Je pense que c'est une des choses que vous aurez compris à force d'avoir vu tout ce qu'on a pu manger dans cette vidéo. Bientôt prêt. En fait, là, il faut que j'attende encore 2 minutes. Je peux tourner à partir de celui qui est là-bas, faire tout le tour, et ensuite, à partir de là, je vais pouvoir commencer à manger. Il y a une sauce poisson ici qui est spéciale. Je sais pas si c'est spécial du restaurant ou du lieu, ou si ça se fait à Jeju de manière générale. Et avec tout le reste, le riz, la petite bière, etc., je pense que je vais pouvoir bien me régaler. Pour l'instant, premier essai, je vais juste goûter avec un petit peu de sel. C'est extrêmement bon, c'est vraiment trop trop bon. De là à dire s'il y a une différence ou pas, c'est vraiment difficile. En fait, j'aurais dû prendre aussi en deuxième plat avec le porc blanc, on va dire, et comparer. Parce que là, c'est difficile de comparer tout seul. Néanmoins, c'est déjà extrêmement bon, et il faut que je goûte avec tous les mélanges différents. Peut-être sel wasabi d'ailleurs, je vais essayer directement. Un petit peu de sel en plus, wasabi. Vous avez des petits morceaux des fois de cartilage dedans, vraiment à peine, et ils se croquent et ils se mangent tout seul. Moi ça me dérange pas du tout, hein, pour être honnête. Et vous avez aussi du gras qui est assez fat sur le côté, mais je le trouve super bon et il se mange tout seul. Il n'est pas élastique comme ça pourrait faire penser. C'est ultra tendre. Il faut que j'essaie avec les feuilles de salade aussi. Un petit bout comme ça. Un ail. D'ailleurs, l'ail, je vais le manger comme ça, mais les autres, je vais les mettre à faire chauffer dessus. Comme d'habitude, un petit peu de sauce comme ça par-dessus. Hop là. Et on ferme tout ça. Et là, je vais goûter du coup avec la sauce poisson. La sauce poisson est super bonne. Ça fait un petit peu penser à la soupe de poisson comme on pourrait avoir en France, mais du coup piquante, bien évidemment. Il faut que ce soit piquant, évidemment. Il me demande si je devrais pas prendre un petit kimchi jjigae à côté. Comment on veut dire? Le kimchi jjigae, c'est 7000. Moi, je m'attendais à ce qu'ils apportent le petit plat là-bas. Et je me suis dit, bah ça, c'est un petit plat, etc. Donc je vais prendre un kimchi jjigae, histoire d'avoir vraiment le set complet et d'en profiter au maximum. Et je me retrouve avec ça. Compliqué là, je vais bien bien manger, puis encore de la viande dedans, j'ai l'impression. Bref, quel régal ce soir, quel régal. Je suis loin de savoir si c'est le meilleur ou pas. Je suis allé là parce que l'endroit avait l'air sympa. Le lieu était cool. Je commence à être bien 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 rempli. Je supporte pas laisser les trucs à manger. On finit sur une très bonne note. Je me suis éclaté le bide. Il me reste 2-3 oranges dans le sac à dos. Je pense que demain, je vais manger que ça. Parce que c'est un sacré marathon pour vous faire les tests des spécialités. À partir du moment où je suis tout seul, c'est toujours compliqué. Oh putain, il a on dirait la veste de JDG. Cette nourriture me fait tourner la tête. Merci à tous de me suivre et de commenter. Ça fait vraiment plaisir et je vois qu'à chaque fois, vous êtes de plus en plus. Ça touche, mine de rien. Ça donne envie de continuer et de faire toujours mieux. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.